On est en train de préparer notre petit brunch de famille de Pâques. On s'est promené au parc, on est allé jouer. Il y a tellement des beaux petits trésors que j'ai envie de partager avec vous. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. On est samedi du long week-end de Pâques. Ça veut dire quoi ça, le 16? Le samedi le 16? Peu importe, il est 8h48. Cette nuit, ça a été une nuit... 16? 16. Cette nuit, ça a été... ça a été une nuit comme... ça fait une couple de nuits qu'elle se réveille vraiment souvent. Là, elle a bu genre 6 fois. Là, j'ai l'impression de m'être réveillée aux heures. Fait que c'est ça, part of the game. Clara, oui, ça a été comment la nuit? Clara, écoute, elle dort bien, mais elle prend de la place, fait que c'est plus moi qui se réveille. Ouais. Fait que elle a... Parce que Will, dès qu'il essaie de quitter le lit, genre... Non, c'est... Elle a comme mes cheveux en attache. Ouais. Dans une petite régression en ce moment. Là, elle est fait dodo en ce moment et on est en train de préparer notre petit brunch de famille de Pâques. Vraiment simple, question juste de, c'est ça, de se retrouver la petite famille, de jaser puis de prendre ce petit moment-là. Et ensuite, ben, on va faire la chasse au coco. J'ai hâte de voir Clara comment elle va gérer ça. Là. Mais tu sais, j'ai été vraiment en simplicité. Là. J'ai pas fait des grosses affaires parce que, regarde, on va cacher des cocos pour aller les chercher. Alors, c'est ça, donc j'ai coupé les fruits, j'ai préparé du bacon puis tout ça. Et là, j'ai fait aussi un mélange à crêpes pour Clara. Là, les recettes 3 de DME, là, 3 ingrédients. Là, fait que c'est genre une banane, un œuf puis des céréales de bébé. À laquelle on peut ajouter un peu de cannelle ou de vanille là, pour donner du goût tout dépendamment. Dans mon cas, j'ai rien mis, là, c'est vraiment juste ces 3 ingrédients-là. Et là, Will est en train de préparer le mélange à crêpes avec le mélange à crêpes Kodiak qu'on achète au Costco, right? Ouais, Costco. Alors, c'est ça, ça va être vraiment notre petit déjeuner. Et pour le reste de la journée, ben, on va jouer ça à l'oreille. Là. On a une couple de petites affaires à faire et tout. Mais sinon, demain, on a un brunch avec les sœurs à Will, là, la famille. Je sais que ça va être le fun. Vas-tu chercher les cocos? Hein? C'est toi qui vas chercher les cocos. Clara, regarde ici. Regarde ici, Clara. C'est un coco? Vite! Prends le coco. Vite. Wow, mets-le ici. L'eau, le coco, hein? Bravo! Ciao! Et vite, hein? Ouais, bravo! Ok. Puis ici. Regarde là. Regarde ici. C'est quoi ça? Ketchup! Elle est là. Ouais, vite! Oh! Y a-tu des cocos? Sont où les cocos? Sont où les cocos? Elle n'a pas vu, ils sont tombés. Ouais, c'est ça. Good job! Vita, maman en envoie un autre. Un coco. Ah, je crois qu'il y en a un là.
Waouh! Bravo, Clara! Bravo, mon amour! Où les cocos? Non, pas là. Tourne-toi. Pas là. Y en a-t-il ici? Ah, ici, Clara. Ok, mon amour. Maman, elle en voit un, là. Un coco! Bravo! Oh, il y a eu le coco. Ben, good job! Bravo, Clara! Ouais! Bonne... C'est-tu fini? Je vais aller les ouvrir. On se voit le soir, les cocos? Putain, on va les ouvrir. Ils sont difficiles à ouvrir. Tu vois, les ouvre, quand? Mais maman, la mère. Attends, on va l'ouvrir un facile. C'est quoi ça, Clara? Un petit danse, genre. C'est quoi ça? Un tracteur? Ça, c'est quoi? Chocolat? Waouh! Je vais manger un petit bout puis je vais donner un petit bout. Bon, la bonne excuse. Mais on se cache. Elle est comme fort au bout du collant. Give me some chocolate. Un dernier, ça? Ouais, un dernier. Oh, on se réveille. C'est bon, Cara? Tu dis-tu merci, le coco? On dit merci? C'est ça que j'ai dit, le coco, le lapin. Merci, le coco. Merci, mon coco. Merci. Dis merci. Dis merci. Si. La bouche pleine de ça. Bon, j'allais dire mardi, mais non, on est mercredi. Bon mercredi à vous. Je déteste vlogger avec mes lunettes, mais là, j'ai vraiment pas le choix parce que j'ai comme un orgelet. Fait que pas de maquillage, pas de verre de contact pour au moins une autre semaine. Question d'en sortir. On sait qu'il y a toujours quelque chose ici, mais j'ai l'impression que c'est comme un dérivé de tout genre, la sinusite puis tout que j'ai eu. Fait que c'est ça, je suis avec ma fidèle acolyte, Lily, bon, qui n'est pas attachée là, mais je suis juste à côté. Là, je l'ai déposé 3 secondes pour vous vlogger justement. Alors, c'est ça. On a eu une belle bondée de neige hier, juste pour rendre le printemps encore plus désagréable. Mais bon, bref, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Ce matin, ma femme de ménage est censée venir. Finalement, elle ne peut pas venir. Fait que là, de toute façon, ma maison n'est pas si sale que ça. Là. Genre, je lave au fur et à mesure. C'est nouveau, dans le fond, qu'on a une femme de ménage, en toute honnêteté, avec 2 enfants et genre le quotidien qui roule super vite. Essayer de travailler et tout, c'était comme difficile de trouver le temps de faire genre le gros scrub de la maison. Tu sais, j'y vais vraiment avec le plus gros puis that's it. Sinon, ben aujourd'hui, journée, j'ai 2 commissions à faire. Je m'en vais au salon Les Jumelles chercher des produits et acheter un cadeau. Et puis, je m'en vais à la boutique L'Enfantillon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette boutique-là, qui est située à Laval, là, c'est vraiment le fun. C'est une boutique qui a plein d'échantillons là, de marques que vous pouvez retrouver. Elle est comme sectionnée en 3 sections. Donc, vous avez la section pour les enfants avec les marques. Vous avez la section pour maman, maternité, avec, tu sais, vous avez des accessoires également. Et également une section l'équitation là, qui tout est à 50%. Donc, si vous avez vraiment envie de fouiller, ça vaut super la peine. J'ai fait une capsule pour eux là, avec mes essentiels d'allaitement. Je vais vous laisser dans le fond leur page Instagram dans la description si jamais vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Mais c'est ça, je vais vous amener avec vous. J'ai quelques petites affaires là, que je vais aller chercher en boutique. Puis sinon, ben là, Will est à la station organique. Genre, je triple la station organique. Je suis vraiment jalouse. Là. Genre, on dirait que je veux tout clencher mes affaires pour aller le rejoindre. Mais on va voir avec Ellie comment que ça se passe. Excusez, ma caméra est super lourde.
Mais on va voir avec Lily comment que ça se passe. Puis si ça se passe bien, ben j'irai le rejoindre. Sinon, ben je vais juste aller chercher quelque chose à manger et revenir ici pour le reste d'après-midi, faire un peu de travail avant de... Ce soir, on s'en va souper chez les parents Will qui reviennent de l'Europe. On s'en va fêter sa plus jeune sœur. Donc, on va se faire une petite soirée sushi. Puis ça va être super bon. Alors, c'est le plan match de la journée. Donc, pour le reste du week-end, là, je sais pas c'est quand la dernière fois que je vous ai comme vlogué en fin de semaine. T'sais, on a vraiment pris le temps aussi pour relaxer comme en famille, prendre l'air. On a fait de la craie dehors, on s'est promené au parc, on est allé jouer. Ça a fait du bien, honnêtement. Et là-dessus aussi, on a relaxé. On pète pas le feu encore, moi puis Will. Je vous dirais, là, moi, comme clairement, mon rhume, ça commence à finir. Puis Will, tu sais, il sent un peu genre tout ça. Donc, je veux dire, je pense qu'on a un bundle de fatigue et de stress. Je t'ai souvent parlé du nouveau projet à Will, mais là, ça se concrétise comme pas mal cette semaine, la semaine prochaine. Mais sur ça, je vais boire mon café, la changer, l'allaiter une dernière fois avant de partir. On est de retour à la maison. Là, il est 2h. En fait, ça a super bien été. Je suis arrêtée. Il est à peu près 1h à la station organique. Will était là pour travailler. Puis j'ai mangé une bouchée avec lui avant de revenir à la maison. Faire un peu de travail avant que Clara revienne de la garderie. Puis que on aille au souper. Ça va passer vite, là. Là, je viens d'allaiter la petite popoune. Puis c'est drôle parce qu'après avoir passé quand même un certain moment dans son car seat, elle s'étire tellement, là, tu vois tellement que ça lui fait du bien, là, ça fait genre « Oh, ça va mon amour? » Donc c'est ça, puis je voulais prendre un instant pour vous présenter les produits qui m'avaient été offerts par les jumelles, donc je vous montre ça à l'instant. Donc ce sont les produits de GM Colin. Donc premièrement, j'ai reçu... un nouveau produit qui est les biocellulose faciales. Donc c'est des masques soins anti-âge en deux étapes. Donc il y a 5 masques plus un sérum qu'on utilise pour tous les masques. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça fait vraiment du bien le soir là, de se faire un masque. Quoique ces temps-ci, les soirs sont plus rock'n'roll. Mais ce que j'aime, c'est quand c'est rapide. Alors c'est génial. Sinon, j'ai reçu la crème revitalisante, donc c'est vraiment une crème soin anti-âge, là, 25-35, je pense que Eve me disait. Donc, toujours pratique à avoir. En plus, il me restait plus de crème. C'est le genre de crème faite pour tous les types de peau. Et sinon, ben le nettoyant GM Colin Hydramucine. Donc, c'est vraiment un lait nettoyant pour les peaux déshydratées, ce qui est mon cas en ce moment, surtout considérant que j'allaite, je perds extrêmement d'eau. J'ai beau boire beaucoup d'eau, c'est jamais assez. Donc, ça va être vraiment parfait. C'est aussi un autre produit que je ne connaissais pas et que j'ai très hâte d'essayer. Donc, un gros merci à vous. Si jamais vous voulez vous procurer les produits, je vais vous laisser... tous les détails dans la description, là. C'est vraiment au salon Les Jumelles situé à Blainville et honnêtement, les filles sont vraiment super, fait que je vous donnerai un petit update sur les produits, là. Comme je ne les ai pas essayés encore, je ferai une petite routine pour vous montrer ce qu'il y en est, comment j'aime les textures et tout. Ensuite, je suis allée à la boutique L'Enfantillon. J'ai vraiment déniché des beaux produits. Puis, majoritairement, c'est des essentiels d'allaitement, là. Donc, c'est vraiment des produits que j'ai hâte de vous montrer. Je vais probablement filmer une vidéo demain ou après-demain sur les essentiels d'allaitement et mon expérience un peu avec Lara puis Ellie jusqu'à présent. C'est des questions souvent qui me sont posées. Puis, honnêtement, cette boutique-là, il y a tellement des beaux petits trésors que j'ai envie de partager avec vous. Donc, ça sera dans une autre vidéo. Le reste de la journée, ben, ça va être du travail jusqu'à ce que Clara revienne de la garderie avec son papa. Puis, on va aller à notre souper ce soir.